direction la forêt dominale de haies. Aujourd'hui, nous sommes ici à la forêt dominale de Haye pour profiter du moment de détente en votre compagnie, bien évidemment, et pour vous faire découvrir ce magnifique parc à ciel ouvert plutôt que pour pratiquer une activité sportive. À vrai dire, aujourd'hui, je ne vais pas courir. Donc voilà. C'est un endroit où les familles, les couples, les promeneurs et les coureurs viennent chercher la tranquillité environnementale. Les parents amènent leurs enfants pour qu'ils puissent se dépenser et passer de bons moments dans cette aire de jeu. Aujourd'hui, il est un peu tard et il pleut, c'est pourquoi il y a moins de monde. Et d'habitude, cet endroit est toujours rempli de familles qui occupent les différentes tables de pique-nique et qui passent des moments agréables. Derrière moi, il y a le centre commercial La Sapinière, Auchan La Sapinière, ce qui veut dire que ce parc il est à proximité de cet espace commercial et qui donne la possibilité à ceux qui veulent pique-niquer ici d'aller se procurer, acheter de la nourriture et venir ici par exemple pour pique-niquer et pour manger en famille. Ce parc contient également un parcours de santé qui est entièrement balisé, comme le montre ce plan. Il y a également un endroit réservé aux objets trouvés. Dans cette boîte, on retrouve des lunettes et quoi d'autre? Des gants encore. Et une montre, et elle est tout au fond. Pour respecter les coureurs, les chiens doivent être tenus en laisse, comme c'est noté sur cette affiche. Une affiche de sensibilisation et un appel à une séance de comment bien tenir son animal en laisse. Et ici, il y a une affiche qui vous invite à venir bouger pour la maladie de la sclérose en plaques. Et ce, le 28 mai 2023. Donc, venez participer. Il y a des bons d'achat qui vous attendent. Ici, je vais vous montrer le point de départ de ce circuit. Certains coureurs font le circuit de 1600 mètres, comme moi, l'amateur. Tandis que les plus courageux et quelques professionnels font celui de 2500 mètres. La prochaine fois, je vais vous emmener avec moi au fond de ce beau paysage verdoyant, toujours inspirant. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Maglore Media sur YouTube. Merci.